sua, que é o Dori Одинадин! Статус код восстановлен. Прыгал Феррера, да, так и есть. Дальний удар. И 2-1 в Каличи! Распал Диего Лопес! Все-таки Атлетико дожал. Прочитал. Здесь полет Суарес. Кабахаль, передача. И будет удар Криштиану. Удар и потом! 2-2 Марио Суарес. De U22 par U20 qui sont internés ici au centre Corara, ça fait bientôt une semaine, et sont en train de préparer le match contre la Namibie. L'organisation en ce qui concerne, pour l'instant ce sont les entraînements de joueuses, hein. Nous sommes venus ici pour qu'elles puissent s'entraîner. Vous avez vu que derrière vous, elles sont en train de s'entraîner avec les filles, hein, avec des garçons pour leur endurance, et on a préféré qu'elles s'entraînent au moins 3 ou 4 fois avant le match, et, avec les garçons, en fait, d'acquérir un peu plus d'expérience aussi sur le plan technique et tactique. Bien sûr, ça leur a permis de développer un beau jeu, et un jeu collectif, et aussi de s'améliorer sur le plan technique et tactique. Donc pour nous, c'était très bénéfique qu'elles viennent ici au centre, qu'elles s'internent bien une semaine avant le délai, parce que comme vous le savez, le délai ici, je sais que l'équipe s'entraîne 2 semaines avant le match. Nous avons préféré que ce soit 3 semaines avant le match, afin de pouvoir leur permettre de rentrer dans le match, parce qu'ils ont eu un temps de répit après le match de Gabon, et ce qui a fait qu'on se dit, si on relâche, c'est pas évident, parce que l'équipe namibienne, comme vous le savez, il faut jamais sous-estimer l'adversaire. Dans l'équipe namibienne est une bonne équipe, donc nous avons voulu nous prendre à temps pour ne pas avoir de surprises. Comme vous le savez, hein, le football féminin a connu il y a plusieurs années maintenant que les filles ont fait parler d'elles. À l'époque, et en 2006, en 2008, quand elles ont participé à la Coupe du Monde, c'était les U20 en Russie et en Chili. Mais malheureusement, une fois rentrées au pays, les choses se sont presque, la machine s'est carrément arrêtée. Donc l'évolution a été tout à fait difficile. Les filles n'ont pas pu évoluer autrement, n'ont pas pu participer à quoi que ce soit, parce que le gouvernement même ne disposait pas de fonds pour que les filles puissent s'entraîner de nouveau, être d'abord enregistrées pour participer au Coupe du Monde, et puis de fonds pour pouvoir leur permettre de s'entraîner. Donc on a connu des moments sombres, le football féminin a connu des moments sombres, mais Dieu merci, avec l'appui de la FIFA qui a exigé à ce qu'il y ait une structure de dames qui prenne soin de dames. Nous pensons que le souci était complètement différent, parce que les hommes, vous, comme vous le savez, vous vous intéressez plus au football masculin qu'au football féminin. Donc ce qui fait qu'il y a eu un autre vent qui est arrivé à la fédération, la Commission nationale de football féminin, qui a en charge le développement et la promotion du football féminin. Et nous avons eu la chance d'avoir immédiatement le U20 à pouvoir suivre et tout faire pour qu'elle puisse participer au préparatoire des éliminatoires de la Coupe du Monde 2016 à la Papouasie-Nouvelle. Donc ça un peu brièvement ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Pour l'instant, on prépare encore l'équipe de U20 pour rencontrer la Namibie, mais juste après, on va aller faire l'implantation de commissions provinciales dans chaque province pour qu'il y ait un relais avec la commission nationale qui est sur place ici. Et on a tout un programme qu'on va leur donner, qu'ils vont pouvoir suivre aussi. Donc le programme, d'abord, c'est d'implanter la commission provinciale dans chaque province, et ensuite on va suivre un programme qui est de commencer à la base, les écoles. On va faire une convention avec le ministère de l'éducation secondaire et supérieure, afin qu'il y ait des écoles qui vont nous sortir des équipes de filles à partir de 5 ans jusqu'à 13-14 ans, et ainsi de suite. Donc on a tout un programme qu'on va mettre sur pied, qu'on a déjà, mais il faudrait que avec le succès de nos collègues qui sont dans les provinces, qu'on puisse avoir le même entendement et suivre le même programme, afin de pouvoir développer le football et promouvoir le football féminin chez nous dans notre pays. Nous faisons appel au public, que le public vienne nombreux pour encourager leurs filles, leurs sœurs. Et vous savez que c'est un match qui se joue à domicile. Il faut toujours profiter quand c'est à domicile pour marquer beaucoup de buts. Donc leur encouragement sera un plus. Nous appelons les mamans qui viennent rarement au stade de venir nombreuses, de remplir ce stade afin de pouvoir encourager nos filles à aller de l'avant et à gagner ce match. Разыгрывает Матрица, и передача, и Бензима забивает уже